Bon, ça y est, le 21 avril 2023, Jojo est là, Johnny s'en va, je le convoie en Espagne à Portbou, chez mon ami Jean, cap au sud. Voilà, avec Navionix en plus, donc je vais prendre un cap... Je suis à Vineux, on vient de Navionix. Le cap 190. Il faut que je réduise un peu ma carte. Ouais, je tape dans. Voilà, au plus court, c'est par là. Je prends un cap 180. Allez, un GG 180. Il y a une petite différence, non, c'est pareil. Voilà, et là, du coup, je suis à 3000 tours, 10 litres heure. Le bateau à 293 heures à l'instant. Et pour me narguer, il y a plein de poissons. Ça n'arrête pas. Incroyable. Bon, savoir que j'ai la coque sale, c'est pour ça que je me presse pas trop, parce que là, je suis à 7 nœuds, 7 nœuds 5. On va faire un petit test de déjaugeage quand même. Allez, c'est parti. 32 litres heure. 40 litres heure, 17 nœuds, 18, 45 litres heure, 19, 19, 7. Je vais relever un peu mon trim léger. De temps en temps, je fais à 20 nœuds. Sûr qu'à cette vitesse-là, je vais vite vider le réservoir. Hein. Ah, 19,9. Allez, franchis 22, vas-y. 22, voilà. Salut les amis, une petite pensée à tous mes potes là-bas. Voilà, vous voyez, port le 4. Ah, monsieur Ganguise, pêcheur. Je me dis qui j'y mets. Salut Stéphane. Voilà, là, le petit voilier. Vas-y, mollo, lolo sur l'eau. Le Liberty. J'en oubliais plein. Voilà, je suis en train de convoyer mon bateau en Espagne. Je vais dire bonjour à monsieur Jean, qui est le propriétaire maintenant de Johnny. Ciao. Johnny arrive au Cap Béhar. C'est magnifique. Qu'est-ce qui peut me manquer dans un bateau? Il y a un truc qui est vraiment obligatoire dans un bateau. C'est un frigo. Et voilà, remise à l'eau du futur Johnny. Alors j'ai même pris mon petit vélo électrique parce que il faudra que je revienne sur la zone. Alors le moteur à peine enclenché et finalement bah, ça file. Voilà, bateau propre, la vie change. Alors déjà regret un petit peu, donc le Alba, l'écoute de baume. Les voiles, bientôt à poste. Il restera capote et Bimini, donc l'ancien propriétaire de notre ami Franck, le mettra à poste. Voilà, puisque j'ai pas les arceaux. Et vogue la galère, comme on dit. Mais là, pour l'instant, c'est pas la galère. Il n'y a pas besoin de rame. Allez, on va mettre un peu de moteur.
Et voilà, on met un petit peu de moteur à moitié. C'est dommage, Franck, que tu sois pas là. Hein. Regarde, parce que là, ça commence à filer, hein, le bateau. Le bateau, il sera bon pour la nave. Et voilà, et comme dit Tic et Tac en régate, abonnez-vous à la chaîne. Chaîne YouTube, Tic et Tac en régate, c'est moi et mon copain. On fait des petites régates. On aime la voile, on aime les bateaux et on aime l'eau. Alors je vous dis, selon la formule habituelle de Tic et Tac en régate, à plus dans le bus. Ciao, ciao.